Salut à tous et bien, nouvelle vidéo, qu'est-ce que je raconte? Non, deuxième jour de la vidéo, pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu... Et pourtant j'ai eu un café ce matin, hein, je vous avoue que il passait bien hein, quand même. Donc suite de la vidéo, donc je repars sur le tracé de la pointe du Raz, je sais toujours pas parce que personne ne dit la même chose. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. Du coup, un petit souci de batterie, puisque c'est très compliqué de se charger même en camping ici. Mais il est 8h30 le matin et je me lance. Alors comme je vous le disais hier soir, je pars par la route au moins pour la première heure déjà, jusqu'à arriver au niveau du Cap 6-1. Et après au Cap 6-1, je vais récupérer le GR34 parce que apparemment c'est l'endroit où c'est vraiment le plus chouette. J'ai pas mal de bornes à faire aujourd'hui. Pour la suite, je sais pas, j'avoue que je suis en mode improvisation. Donc, écoutez, je me lance, je vais voir. Et puis, de toute façon, vous allez le voir aussi. Hein. Alors, c'est parti. Pour ce qui est de la nuit et du réveil, alors, je me suis rendu compte qu'il me fallait une bonne demi-heure pour déplier, pour replier la tente, ça c'est plutôt bien. Le camping où j'étais, le camping de Port-Spéron, c'est plutôt mignon. Bon, il y a une piscine, toutes les commodités qu'il faut, sauf l'électricité malheureusement, mais bon, c'est comme ça. La plage à proximité, ça c'est plutôt assez cool aussi, pour ceux qui veulent se baigner. Maintenant, pour ceux qui sont en itinérance, ça reste un bon point. Le meilleur des points pour ceux qui sont en itinérance, c'est surtout que au niveau de l'accueil, il y a une espèce de petite boutique, comme beaucoup de campings d'ailleurs, mais du coup, vous pouvez vous alimenter un petit peu mieux. J'ai eu un meilleur repas que ce... Mais ça se voit, il a une vie de merde. J'ai eu un meilleur repas que ce dont je pensais avoir hier soir, donc du coup ça aide quand même. J'ai vraiment bien dormi, je suis assez content de ma forme physique ce matin. C'est plutôt encourageant pour aujourd'hui, pour la suite des événements. Ce matin, j'avoue que ça me stresse un petit peu parce que j'avais jamais vraiment fait ça. Et maintenant que je suis sur la route, je me rends compte que ça sera peut-être un petit peu moins dur que ce dont à quoi je m'attendais. Je vous redirai ça en fin de journée, mais pour l'instant ça va. Alors du coup, c'est le moment de vous faire un point pour vous dire si effectivement c'était une bonne idée ou pas de passer par les terres. Eh bien, la réponse est oui, absolument, c'était une très très bonne idée puisque j'ai littéralement gagné 1h15 de temps et surtout j'ai pu passer par le magnifique petit village de Bozec Cap 6-1. Alors ce qui est génial ici, c'est que vraiment la ville est très soignée, il y a une magnifique église, vraiment elle est vraiment très très belle. Vous avez un petit commerce à proximité, donc vous pouvez vous ravitailler, faire des courses, prendre si vous avez oublié des choses, c'est vraiment super. Ils ont un petit espace, petit jardin avec un menhir gravé en l'honneur de la paix et des armistices. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah bah oui, très essentiel. Vous avez des toilettes, et des toilettes qui sont propres, et des toilettes avec du papier toilette. Et ça... Vous avez même un petit bar si vous voulez vous arrêter boire une bière, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Bozec Cap 6-1, 100%, 10 sur 10. Bon les amis, encore des super rencontres, hein. Les gens en Bretagne ils sont vraiment gentils, les Bretons sont vraiment accueillants. Ils ont leur petit caractère bien à eux, mais ils sont vraiment adorables. Et je me suis un peu trompé de route en fait, j'ai suivi mon GPS pour essayer de retrouver un chemin pour récupérer le GR34, puisque là j'approche du Cap 6-1. Donc du coup, je voulais aller le voir le Cap 6-1, et en fait je suis tombé dans une ferme, où il y a un monsieur qui m'a dit non mais là ça passe pas, ça c'est la galère et tout ça. Et donc du coup il m'a ramené en voiture jusqu'au sentier. Donc j'y gagne rien mais je n'y perds rien non plus. Et puis j'ai fait une belle rencontre entre temps. Donc voilà, je continue mon petit trajet. Mais effectivement sur le récapitulatif du tracé, il y aura forcément un petit moment où ça va accélérer. Bon les amis, j'ai résolu un mystère, un grand mystère. C'est que je vous parlais, vous savez, à Douarnenez de la brioche au beurre inventé par
par hasard, en fait, d'Andouarnenez-Mem, la brioche bretonne, que tout le monde connaît, mais peu de gens savent comment elle se prononce. Eh bien, en fait, figurez-vous que je me passais une playlist musique bretonne dans les oreilles en marchant, et je suis tombé sur une musique paillarde, parce que bon, il y en a quand même quelques-unes, hein, ça reste quand même un pays de marins. Et donc, dans une de ces chansons, eh bien, le Queen Yaman, comme je vous l'avais dit depuis le départ, eh bien, en fait, se prononce Queen Yaman. C'est pour ça qu'il y a deux N. En fait, c'est Queen Yaman, et en fait, on prononce le N de fin. Donc, c'est Queen Yaman. Donc, voilà, vous le saurez. C'était vraiment très intéressant. Bon, eh bien, les amis, retour sur le GR34 au Cap Sizun. Donc, le prochain tronçon sera bien le GR34. Je vais voir combien de temps je le continue, mais je pense une bonne heure et demie. Et puis, suivant la vitesse où j'avance, j'y crois pas trop, mais je reprendrai peut-être les terres après. Mais ici, je vais être dans une réserve naturelle qui a la réputation d'être vraiment très très belle. Et puis derrière moi, donc je vais vous faire les images, bien sûr, toujours en raccord. Derrière moi, là-bas, on voit la pointe de la Chèvre. Et puis de l'autre côté, là-bas, on voit la baie de Brest. Je vous montre. Et devant vous, messieurs, dames, petit Félix. Alors, je n'ai pas du tout d'idée sur ce que ça peut être. Je vais m'approcher pour essayer de voir, mais alors, c'est d'une beauté. Mon Dieu. Eh bien, cette maison, messieurs, dames, du coup, j'ai pu un petit peu lire ce que c'était. Tout simplement, c'était la maison d'un habitant qui l'avait fait construire dans les années 1950, par là, et qui était complètement laissée à l'abandon. Et en fait, elle est tellement typique, tellement près de la falaise, c'est tellement beau le cadre, qu'il y a quelques années, la ville en a fait l'acquisition. Ils ont décidé de claquer leur billet, en fait, pour pouvoir le remettre en route. Tout simplement, pour en faire un point d'escale, vous voyez, il y a des bancs, vous pouvez venir vous y restaurer, vous poser dans l'herbe, avec cette vue magnifique, c'est incroyable. Et ce qui est plutôt assez bien, c'est que du coup, ils en ont fait un point d'information, c'est-à-dire que on peut venir se renseigner un petit peu sur le Cap Sizun, ici, ce qu'il y a, un petit peu tout ce qui se passe dans le coin. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que pour la reconstruction, ils ont élaboré les chantiers avec des groupes d'insertion, des associations du coin du Cap Sizun. Donc je trouve que la maison, elle est vraiment cool, c'est un spot incroyable, c'est super beau. Et j'en ai plein les yeux, et je suis très content de vous partager ça. Bon, mes amis, c'est sur cette magnifique vue que je vais faire ma petite pause là. Vraiment, petit spot incroyable. Alors honnêtement, je sais pas si j'avance bien ou pas, j'avance. Bon, un peu plus difficile que d'autres, là j'avais un peu mal au dos, un peu mal aux pieds. Donc écoutez, je vais me casse-croûter ici et puis après me remettre en route. Mais oh là là, si vous pouviez voir de vos yeux à quel point c'est beau. Bon les amis, je repars, alors j'en profite pour vous rappeler une petite règle. Surtout quand vous allez quelque part, ne laissez pas de traces.
Bon les amis, j'ai refait un tronçon de route par les terres. Parce que je voulais être sûr de me rapprocher. Là, je suis super content. Je suis à moins de 50 minutes de mon prochain camping. Du moins dans le camping dans lequel je suis censé aller. On verra bien s'ils m'acceptent, s'ils ont de la place ou pas. Puisque j'ai bien vérifié, hein, je n'ai pas eu de réponse. Mais bon, bref. Passons. Et du coup, bah, comme je suis à moins de 50 minutes... Et que ça était quand même un petit peu moins hardcore que je pensais. Bon, je dis pas que je suis pas mal au pied, mais je suis content d'être déjà pas loin. Et donc du coup, bah, je vais en profiter pour aller revoir la côte un petit peu, histoire de m'approcher de ma destination par la côte. Ça me fait un détour, mais après tout, je suis là pour visiter. Et c'est vraiment chouette d'avoir pu voir la Cornouaille côté terre et côté mer. Et donc du coup, bah, l'exploration, elle est vraiment chouette. Ces aléas, ils ont été vraiment bénéfiques.